Bravo, moun tabar. Depuis commencement exode rural dans le pays d'Haïti depuis quelques années, côté bandit pas suspend fait moun courir quitter la caillou pour la première fois. Me sentim satisfait de un groupe moun qui déplacé en babal bandit. Moun sa yo trouvé que c'était important pour y rappeler les États-Unis devant ambassade américaine que le fait y a continué si tirer Ariel Henry sous pouvoir mais qui résultat la baille. Tôt ou tard. Mesdames et messieurs, depuis samedi qui s'est passé là, vite l'homme innocent qui se chef gang, crasé barrière qui a opéré dans Torsel, s'est monté 7 fois 77 fois, fuck tabar sous contrôle. C'est ça que fait que il était décidé passer à l'attaque. Plus passé 3 jours depuis moun yo quitté la caillou et y a dormi devant ambassade américaine. Eh bien, nous prenons saisi, tendez, qui action la police nationale d'Haïti arrive poser alors que li gagne comme devoir pour li protéger accès vie population. Mais la police, on green bagay nous suppose comprendre, créons l'histoire, pas gen gomme. Tout ça nous fait, a toujours été écrit dans l'histoire. Et sécurité qui passe suspendre bourjonner en dans pays d'Haïti, mesdames et messieurs, Pierre Espérance, qui c'est directeur exécutif, qui a défendu droit moun en dans pays d'Haïti, arrivé déclaré ce gouvernement Ariel Henry, qui la cause que problème ça yo a intensifié chaque jour en dans pays à côté, li pa bay la police nationale d'Haïti moyen, puis capable combattre zak banditis en dans pays ya. Et puis tout, la police nationale d'Haïti pas gagné assez de volonté ensemble. Nous prenons le temps des déclarations sous panel Magic 9 ensemble avec Robinson Geffrard. Mesdames et messieurs, situation continue à faire route complications ensemble avec dossier gaz en dans pays d'Haïti. Nous rappelons que syndicaliste Yotebay, gouvernement Ariel Henry, a un délai de 72 heures afin pour capable descendre de 40% gaz là puisque il fait à l'international. Eh bien, syndicaliste a annoncé manifestation, on dit plutôt, yo annoncé grève sorti 31 juillet pour arriver 3 août qui pral rentrer là. Est-ce que examen officiel filo a ka fait? Nous pas ko konne ensemble, nous pral attendre déclaration youn ladan yo. Assassinat de Diego Charles, juge Merlin Belabre, mesdames et messieurs, yon renouvelé mandat lundi 21 juillet 2023 comme juge instruction sous dossier assassinat Diego Charles. La famille Diego fait comprendre que c'est un pas en avant que la justice lui-même lui arrivait fait. Retour du juge Bernard Saint-Ville à la tête du tribunal première instance de Port-au-Prince. Mesdames et messieurs, qui est-ce qui Bernard Saint-Ville? Qui parcourt Bernard Saint-Ville? Pour qui ça? Yo vole tout le temps qu'embe Bernard Saint-Ville nan tête paquet Port-au-Prince. Rete là, nous pral tande quelques détails. Sous-comité affaires étrangères pays États-Unis a réuni demain jeudi en bien bonnet sous crise pays d'Haïti à côté délégation République dominicaine déformée à présent en côté là pour capable parler de situation actuelle pays d'Haïti. Nouvelle nomination de l'appareil judiciaire ensemble mesdames et messieurs, nous pral connait qui nouveau juge qui nommé dans appareil judiciaire après que yota fin recevoir commission yo après certification. Sébastien Carrière, qui c'est ambassadeur pays Canada en Haïti, mesdames et messieurs, déclaré qu'il gagné 13 millions de dollars qui étaient engagés dans aide 100 millions que pays Canada te promette ensemble avec la police nationale d'Haïti. Ensemble, nous prenons exactement, mesdames et messieurs, qui j'en comme ça lui-même, les guettants commencé à dépenser. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la plateforme Paola. Non, Pam, c'est Fabiola Jean-Charles et c'est un plaisir pour nous capables de rentrer la caillou à rubrique information ça. Bien avant nous aller plus loin, on a pris le temps pour nous dire merci ensemble avec vous-même qui like, qui commente, qui partage vidéo nous. Merci ensemble avec vous-même qui toujours invite un monde qui dans entourage ou abonné ensemble avec la plateforme si là, puis capable toujours être connecté avec bon information. Jeudi à c'est mercredi 26 juillet 2023 et pour toute pèlerin yo
N'a souhaité yo yon bonne fête Sétane charitable et pour tout moun ki l'église yo n'a souhaité yo yon bonne fête Sétane tout court. Mesdames et messieurs, depuis quelques jours, vite l'homme innocent gagne un verre qui pique. Et verre ça, nous par contre qui veille exactement, eh bien, il seulement bail vite l'homme innocent envie pour lui capable conquérir tabac, même Jean livre fait ensemble avec Wout frère et puis les auteurs de Pétionville. Pendant 3 jours, population vive yon situation de terreur parce que yon pas qu'à dormir ensemble avec pile katouche qui pas suspend tiré matin, midi et soir. Si tout monde qui gen awe ensemble avec zone qui pote non du Morney qui deye ambassade américaine. Et mes populations ont décidé yab déplacé parce que faut qu'yo débarqué devant ambassade américaine. Yo pas pral nan parc canne à sucre, yo pas pral sous place tabac, yo pas pral nan mairie tabac, yo pas pral pièce côté, mais yo pral exactement devant ambassade américaine pour y rappeler les États-Unis et gérant ça que y a fait dans le pays d'Haïti, ensemble avec PM Ariel Henry, li capable de gagner de graves conséquences. Mais mesdames et messieurs, la police nationale d'Haïti fait une intervention hier 25 juillet 2023, côté. Yo arrivé déclaré sous page Facebook yo comme ça. La police nationale d'Haïti fait gros déploiement dans la commune Taba, dans la zone tapage, sous instruction DGAI France LB. Dans ce sens, différentes unités spécialisées présentes dans diverses rues passent dans la zone boulevard 15 octobre pour mettre en application une stratégie pour permettre la vie reprendre après gros tension avec violence bandits et examen voulait instaurer dans divers quartiers dans la commune. Est-ce que nous avons dit dernier mot, ça yo? Pour la vie capable de reprendre. Et bien, nous avons dit la vie que la police a essayé de reprendre. Et bien, c'est la vie qui a eu ensemble avec la population qui est obligée de quitter Kayo pour bandit. Nous avons dit la vie la police est obligée de reprendre. Et bien, c'est la vie de série Timoun à toute la pérèse qui en bas votre maman yo. Ensemble avec coup de gaz lacrymogène. Puisque si vous côté la vie supposée reprendre dans la zone tabac, li pas l'autre que ambassade américaine. Question qui a posé, comment fait PIFA unité spécialisée pays d'Haïti yo trouve koyo dans environ ambassade américaine, mais c'est là qui a moins interaction. Qui ça qui a passé exactement? Nous gen bim qui en l'air, pas vrai? Bim nan ka fou klesin. Nous gen divers membres Udmo qui en l'air. Parce que moun sa yo faut que protéger ambassade américaine. Pour qui ça exactement vite l'homme innocent capable prendre toute pièce ça dans zone tabac alors que unité spécialisée là. Est-ce que c'est parce que DGAI, la police nationale d'Haïti, a potko passé l'ordre? N'a pas continué. Phénomène banditisme, gang armé qui a bourgeonné dans plusieurs quartiers, c'est un problème sociétal qui mérite une approche multidimensionnelle côté chaque acteur, doit jouer participation pour agir avec efficacité et puis jouer un bon genre moyen pour couper. Pendant ce temps, la police là a continué bataille, force là du pape campé. Malgré les policiers qui déjà perdu la vie, n'ont qu'admission pour servir et puis protéger population.
Mais ça pas empêcher la police là continuer travail chaque jour plus pour accompagner population et puis permettre ici qu'il est libre et libre. Coordination presse à création publique police nationale d'Haïti, bien sûr yo accompagner ensemble avec modèle ti vidéo nous tout connaît côté yo filmé des séries policiers avec zam derrière quelques mi gagner quelques machines et puis ti son pour yo capable moto travail qui a fait pour yon montrer le travail qui a fait pendant ce temps la police rivait ailleurs dans tabord devant ambassade américaine li ronfle moun yo ensemble avec gaz lacrymogène c'est comme ça la permettre que la vie reprenne parce que pendant moun yo a couru par ci et par là cartouche a tiré gagné cap mouri gagné pour tomber en bas mes bandits c'est comme ça situation à reprendre en main avec la police nationale d'Haïti. Est-ce que nous comprenons exactement qui ça qui a passé? Et mais mesdames et messieurs, nous gagnons porte-parole la police nationale d'Haïti, Gary Desrosiers, qui t'a intervenu sous antenne télévision Radio Caraïbe. Radio Télévision Caraïbe, oui, c'est ça. Calme-toi, ma chérie. Eh bien. Entend des explications sous situation ça côté la police arrivée perdu contrôle encore une autre fois sous bandit vite l'homme innocent et nous croyons que son point qui est extrêmement important que souvent dans des points de presse dans des conversations que nous gagnons avec la presse que ce soit moi-même ou bien que ce soit le commandant en chef et France LB il est toujours parler de point ça concernant la police c'est un maillon dans la chaîne sécurité et ça fait que nous toujours fait appel tout à d'autres secteurs qui est composé maillon ça de manière pour que ensemble pour nous capables de solutionner ou résoudre ou bien améliorer la situation au niveau sécurité. Mmh. Et encore une fois, nous tendons l'autre considération que vous faites concernant la situation générale et sécurité. Et considération ça que vous faites, réflexion ça que la produit tout, mais au niveau du commandement tout, et réflexion ça souvent, et nous réchitons et grand pile là-dedans, c'est suite à réflexion et qui permettent que gagner des efforts qui fait au niveau de la police nationale. Et pour nous tourner sur la question concernant tabac, effectivement, nous constatons les situations hein, et nous prenons note de situation, mais nous ne pas prêter seulement constater et prendre note. C'est simplement la prêter pour nous agir, pour que nous soyons capables de mettre des stratégies en place, pour nous capables de permettre que la vie tourne dans la zone ça, également dans toute notre zone. Yo. Et guerrier et Johnny, ou qu'à connaître, ou qu'à comprendre tout, et nous connaître tout, des efforts que la police déployait malgré les situations, malgré les mecs moyens au niveau matériel. Parce que les forces aéroïques et déployées, c'est d'abord objectif, c'est permettre que nous soyons capables d'aller en source, que nous avons dit ça tout, et tout, ouais, tout les forces aéroïques et même policiers, et Jean-Johnny t'a dit tout à l'heure, victimes de situations. Policiers victimes de situations, c'est parce que tout simplement, gagner la police nationale, policiers qui comprennent la situation et qui connaissent tout que la vie et ensemble de matériel, ça lié pour la population, reposer sur eux. Et ouais, souvent que nous avons perdu la vie, nous, dans des situations. Nous avons considéré ça qui est passé, nous avons considéré l'effort que la police fait. Victime que victime dans des opérations que la menée, et nous avons des policiers, et il y a plusieurs qui malheureusement quittent nous, mais c'est des gens qui étaient baillés tête, qui étaient baillés tête à sécurité pire. Considération ça que nous avons fait, et nous avons analysé, et nous croyons que la presse lui-même joue un rôle important dans la question de sécurité, et tout à l'heure, dans le point que nous faisons, nous avons dit tout, et c'est aider la PD de ce côté-là. Et nous croyons que ELSA est bon pour nous, et est bon pour la police, est bon pour la société en général. Parce que ça, on dit là, considération que nous faisons, ce n'est pas nous-mêmes, ce n'est pas Johnny seulement qui a fait, ce n'est pas guerrier seulement qui a fait, mais c'est exprimer, paroles et qui sortent de la population qui permettent que nous faire constat ça et qui permettent tout que nous faire réflexion ça et nous faire considération et nous mesdames et messieurs Gary Desrosiers comment pour la police capable faire protéger population accès ville pendant que yo pas capable protéger propre tête pa yo comment pour la police capable recevoir l'ordre
nan men au commandement pour yo protéger population, pour yo défendre population, pendant que au commandement pour que jambay la police l'ordre pour capable défendre propre tête pa yo. Au commandement pour que jambe passe la police l'ordre pour capable défendre frère d'armes yo qui tombé en babal bandi. Depuis qu'il est, nous perdit divers policiers en bas mes bandits. 12 mars 2021, 5 policiers mourir en un village de Dieu. 5 stratèges, 5 francs-tireurs nous perdit en un village pendant qu'on a tenté de démanteler gang iso village de Dieu. Qui sa responsable a dit ou ta fait? Li tap manje nan moment yo tap mande aide ou du moins drone tap passe ceci drone tap passe cela ki sa yo fait yo metel en isolement et puis yo retourne ensemble avec li encore 25 pour entre 26 janvier 2023 gen 6 policiers qui tombé en babal bandi nan leur Tibonite gen yon 7e qui disparaît jusqu'à présent. Yo pa konn ki bolye. Ki sa au commandement la police a li même li fait. Combien policiers qui tombé nan mené opération la kay vite l'homme innocent pendant que au commandement la police nationale d'Haïti a connaît très bien que yo pa arrêté vite l'homme innocent, yo pa blessé vite l'homme innocent. Combien policiers qui mouri en Lepétionville? Policier qui mourit en bas la ville. Policier qui mourit dans la troisième circonscription. Policier qui mourit tout partout dans le pays d'Haïti pendant que y a opéré. Si toutefois, la police pas qu'à protéger la police, comment t'as voulu comprendre que la police t'a capable de protéger nous-mêmes? Donc, ça qui veut dire, ça qui passe ailleurs dans ta barre, côté, la police arrivée. Bay moun yo gaz pou yo capable disperser eh bien montrer à clair que moun sa yo poko pare pou yo capable servir population haïtienne. Et sécurité a donné tan kou jonjon devant porte kay malerez en dan pays d'Haïti. El fleuri, il fleuri, il fleuri. Faut que nous comprenne que malerez c'est des série moun même sou tande yo pa gen kòb. Même sous tande yo pa gen chance dans la vie, mais gen des série bagay, l'œil passe bon côté yo, c'est akwat yo akwat yo. C'est ça que fait nous utiliser concept ça. Pierre Espérance qui c'est directeur exécutif qui a défendre droit moun en dan peyi a rezoa. Et mais encore l'autre fois pointé douet li sous gouvernement Ariel Henry qui pas décidé faire rien pour aider population kabat et sécurité ça en dan pays a. Il a participé sous panel Magic 9 ensemble avec Robinson Jeffrey. Entendez qui Jean ça lui même il t'a passé. Espérance pour qui ça bride sous cou nous sentir que gon recrudescence de Zak banditisme dans région métropolitaine. Bonjour monsieur Espérance, bienvenue sous Magic 9. Tout le monde était ouais dans mois d'avril 2023. J'ai entendu un mouvement et espoir et en la pays a et na sous question insécurité a là par exemple la police a fait un grand effort, ils ont démantelé un gros gang et pendant plus passé un an qui t'a terrorisé et une commune, nous voulons parler des gangs qui macaque et le 24 avril il y a des bagages arrivés et gagné devant ce commissariat et canapé vert côté que te gagné un petit bus et policier kembe population avay et policier yo tué mon yo et bon c'est un bail que nous t'ai dénoncé pour moi le fait que t'ai maîtrisé ou neutralisé yo pas doué tué yo et c'est pour et la police là t'ai veillé acteur en chaîne pénale là pour mon cap libéré mon nan n'importe condition et puis m'tamen remettre des paroles ça yo pas doué touyer yo t'aller qui est yo bandi qu'on demandé permission
pour être capable de tuer un monde ni choisir de kidnapper pas même reconnaître. Yo faut payer l'argent, yo maltraiter moun nan, yo violer si yo vle, yo la gueule si yo vle tout, yo assassiner. Qui yes bandi kon mande permission? Qui yes bandi kon mande permission pour capable terroriser population an? Au contraire, yo recevoir l'ordre pour faire et yo prend l'ordre là ensemble avec plaisir, yo exécuter. Donc bandi sa yo qui sorti dans base Timakak le mois d'avril là qui prend bois calé vraiment fait yo paquet moun mal pour qui raison exactement nan ki bu impossible bien et ça passe au petit jour ça nous le côté que moun yo té campé en légitime défense les bandits t'a mbaï da kayo et té bon espoir côté que bois calé nous même nous té toujours dit nous soutenir nous soutenons Maïa et ça en population avec la police et ça n'ont pas d'accord et n'a toujours dit c'est leur point monio c'est remettre au bail et la police pas bouler malheureusement l'autre passé la mois de mai pour camper avec opération et la police a dit fait que population pas capable marcher sous bandio pour contre parce que c'est population qui a aidé la police à identifier bandio l'autre bail et en mois de mai et toute opération campée et c'est ça qui vient de où les 17 mai et gain et grand et mon village là et qui a boulé des blindés et la police dans la zone et Canara et c'est comme ça où vient ouais que gang il prend force et la police a rentré il pas continué avec opération yo et nous tout le monde a constaté dans le mois de juin kidnapping a augmenté et sérieusement et dans moment il a parlé à ouais gang yo sorti les ouvriers yo attaqué toute zone ouvrière particulièrement et gang éviter l'homme qui et journée aujourd'hui a cap opéré dans quatre communes et c'est et Delma Pétionville et Taba et avec Croix des Bouquets yo opéré et avec et complicité et la police la police a pas pris aucune disposition pour pas dire pour démanteler gang non mais au moins pour ta faire rester dans fief yo donc et pendant ce temps gain des autorités cap défiler et avec machine officielle hein, en cortège et pour y aller rencontrer particulièrement en week-end ça t'est fait le week-end passé hein. Et hier jeudi dimanche monsieur Suez. Wow! Tale Robinson, exceptionnel. Non, déclaration Pierre Espérance, nous devons prendre à cœur. Bon, moi, si je vais rebisser pour nous. Bon, quelques secondes. Et avec machine officielle, hein, en cortège, et pour y aller rencontrer particulièrement en week-end. Ça t'est fait tout le week-end passé. Hein? Donc, ça veut dire que. C'est une visite officielle. Ou elle n'aime pas la venue de ici. Nous pensons que c'est blague. Nous pensons que c'est voie montée. Dis-nous, il y a un lot qui passe pour vite l'homme innocent prend la rue. Hein? Tant de déclarations, Pierre Espérance. Donc, il y a une machine officielle. Qui t'a le bail, le grand chef, le grand, vite l'homme innocent, l'entrepreneur, yon visite. Visite la anik fin fête. Mais résultat, je ne j'ou dis yon. Merci de ta payé. Hier, jeudi dimanche. Monsieur Spurs, oui. Ou dit gen moun ki gen autorité dans machine officielle qui t'a le raconté qui est? Moi dit, dimanche. 16 juillet 2023, dans l'après-midi, il y a des machines officielles et plusieurs en côté qui rentrent dans la gang et vite l'homme. Et 8 jours après, hier, jeudi dimanche 23 juillet 2023, nous entendons ça passer. Qui est-ce qui t'a rencontré et puis qui ça a discuté?
la police nationale là, par contre ça on a discuté puisque bah là, la police, l'État haïtien chaque mois débloque un paquet de l'argent pour renseignement ou bien sous l'intelligence. Palais national joint là-dedans, ministère haïtien joint et ministère et la primature et la police là. C'est un butin. Et donc une, c'est pour une veille l'autre. Et ça veut dire que si c'est pas bon pour le policier, et ça t'est sorti. Mais c'est pour regarder et au niveau palais national. De toute façon, et moi-même, moi souhaitais que et la police nationale, là, au niveau inspection générale, là, yo fait travail, yo te fait nettoyage assez et pour des policiers dans l'IGPN qui étaient livrés et Jovenel Moïse. Non. Et, là, vous faites référence ou bien à la police ou bien à parler. Donc, c'est à un groupe ça qui était allé dans ton cellule à rencontrer vite l'homme. C'est pour le premier ministre hein, qui est chef CSPN. Hein. Et c'est lui-même qui est. Faire débloquer l'argent chaque mois pour service intelligence et la police bien sous les renseignements et intelligence dans le pays sous les renseignements et c'est pour service renseignement bah information puisque on va pas connait côté il va pas connait qui monde monsieur Spence nous connait qui utilisation qui fait dans le pays de machines officielles machines service de l'État. Des fois, ou qu'on voit un côté, c'est... Non. Ma m'explique quoi, nous qu'on est pratique, qui qu'on fait avec machine officielle, machine service de l'État dans le pays. Ya. Des fois, qu'on a des gens qui gagnent à la disposition de eux-mêmes, qui peut-être pas font travail comme qu'on a dit pour le gouvernement ou bien... Voilà, yo pas chef. Et information gain, est-ce que c'est... Yon moun kap fonctionne de façon personnelle, on s'engléton, ou bien c'est un bagay gouvernemental, bien fisté kap fait là, et voye machine officielle, à rencontrer, gen des contacts, on a dit mieux, entre des officiels et gang vite l'homme. Bon. Moi dit, moi pas dans l'enseignement, la police, et, ou bien dans l'enseignement, et dans l'État. Mais ça qui c'est, hein, et si le premier ministre de facto a voulu, l'a rejoint, et qui est-ce qui était là? Et qui machine? Et est-ce que c'est la police ou bien est-ce que c'est par les nationaux? Il y a besoin de nous. Quand il est là, on nous réveille hier. Regardez hier. Et ça qui passe dans la zone des collines. Un gros chef oui qui n'a sécurité pays qui était na zone là. Et c'est pour et autorité yo et demander qui message mix qui te voyé qui fait que les âmes a chanté tabac et dans des collines qui a départ à résidence et docteur Ariel Henry, hein, et qui message m'excite, vous voyez, et la police a malade, la police a pas n'importe non, de ou gradé, il y a une connivence avec bandit, et il y a des gros autorités qui ont une connivence avec bandit. Comme l'État haïtien a débloqué un paquet de l'argent chaque mois pour enseignement avec un intelligent. Et ou bien renseignement, bien sûr, l'intelligence. C'est pour les gens qui sont plus placés dans l'État. Si ça, gang, vite l'homme a fait, dans quatre communes que la police a bali pour faire ça, si il n'y a pas de complicité, si il n'y a pas de confortable avec ça, il faut que vous fassiez. Maintenant. C'était Vitel. Pardon, cher monsieur, de vous déranger là où vous êtes. C'était Pierre Espérance, directeur exécutif qui a
réseau qui a défendre droit moun nan toujours oublier réseau dans ça gagne c'est parce que moun sa ou pas gagne droit personne y a défendre qui fait pas jambe pas balayer mesdames et messieurs sous situation peuple tabar à vivre dans jour ça ou là m'a rappeler nous mesdames et messieurs depuis 4 juin qui saute passé là pays Canada à travers compagnie Inca te gagné pour voyer dernier blindé que l'état haïtien te commandé yo jusqu'à présent yo pas voyer blindé yo pas dit qui ça qui passé yo pas bail pièce excuse est-ce que c'est l'état haïtien qui poko fin payer ou du moins c'est yo même qui poko pare mais Canada lui-même li continue à aider nous Jean li capable d'après ça ambassadeur là lui-même arrivé faire comprendre Jean ça t'est annoncé syndicaliste mesdames et messieurs faire comprendre 72 heures limite langue est passé et yo annoncé grève qui a commencé 31 juillet pour finir 3 août 2023 pour capable exiger gouvernement Ariel Henry prend responsabilité par rapport ensemble avec prix carburant qui baissait à l'échelle internationale et pas bon ici tu seulement retiré 10 petits gourdes la donne mesdames et messieurs ensemble en temps de déclaration une non syndicaliste yo nous te trouver c'est toi annonce qui t'est dérespecté et peuple haïtien, en vertu de la loi du 9 mars 1995, sous les droits d'accessibilité variable, pour te une diminution sur le prix gazo, surtout sur le prix gaz sur le marché local, par rapport à la variation au niveau international, fluctuation. Malheureusement, le gouvernement Boudé, 72 heures plus tard, qui était fini couler depuis vendredi dernier, nous n'avons aucun, nous pas de capable à le pays, pour nous présenter un calendrier de mobilisation. Parce que le gouvernement n'a pas décidé fait bac sous ensemble de décisions le prend déjà. Et matin, nous avons réitéré position sur le syndical haïtien hein, devant la presse pour nous dire on n'est pas changé. Et nous renforcer plus que jamais. Parce que annonce nous fait pour demander l'État changer, changer si tu prends gaz là, pour gaz là qui a baissé, eh bien nous avons bande armée qui est activée sur tout le pays. Hein, et des annonces qui fait, nous avons vraiment, qui pourtant pile doute. Parce que nous comprenons ces stratégies de l'État, les dérifonces de l'ANAPROS, les ANADIB parlent de 850 000 gouttes à 800 000 gouttes de camions payés pour traverser Varoué. Donc nous avons fait en 2021, nous avons même stratégie en 2023. Nous disons les mêmes causes, produisent les mêmes effets. Nous avons dit que ce n'est pas dans les mêmes circonstances. Donc le pays s'est évolué et nous-mêmes comme acteurs, nous évoluons par rapport à la dimension. Et maintenant, nous réitérons la position, il faut que le gaz descende. Il faut suivre ce pétrole des signes appliqués sur le pays pour soulager malheureusement les parce qu'il y a 20% de consommation car la transformation de marchandises et il faut l'État de la sécurité sur le territoire national. Donc ça, nous ne pouvons pas faire prendre base. Nous continuons à agencer, nous continuons à motiver et nous continuons à multiplier les forces sur tout le pays. Je nous dis, le secteur syndical a lancé grève générale pour lundi 31, mardi 31 juillet, mardi 1er août et mercredi 2 août. Grève générale pour protester en face de l'État réel à l'arrière dirigé pour gaz la baisser dans 40% de moins, de 40% de ce tout galon. Moi, je crois que ça justice pour la population. J'aimerais me dire, l'immobilisation démarre, tout le groupe organisé dans la vie nationale là, pour te coller. Bataille, ça va bataille syndicat, et c'est bataille peuple haïtien. Et nous, tout dit l'État pour finir, on n'a pas besoin de l'Hélène. Prendre disposition pour tirer 40% de la population à comprendre. Et laisse ça nous battre pour avoir le contentement pour nous dire retirer 40%. Pourquoi besoin de l'en? Parce que l'analyse est montrée, les chiffres disponibles, nous pouvons manipuler l'ensemble, là avons le même résultat. 40% sur le gazoline, ça a justice pour ici. Voilà, mesdames et messieurs, c'est déclaration youn nan syndicaliste. Retour sans surprise du juge Bernard Saint-Ville à la tête du tribunal de première instance à Port-au-Prince. Mesdames et messieurs, pour qui ça gagne obsession ça autour de Bernard Saint-Ville? Pourquoi il doit être définitivement un doyen? Juge Bernard Saint-Ville fait étude d'orali dans FDSE, mesdames et messieurs, faculté droit ak sciences économiques dans Port-au-Prince. Eh bien, juge Bernard Saint-Ville, t'as pral tourné un juge d'instruction, pardon,
Dans l'année 2001, côté yo te confié enquête qui gen awe, ensemble avec dossier Jean-Léopold Dominique assassiné dans radio Inter Haïti Inter 3 avril 2000. C'était un double assassinat. Nous rappelons-nous gardien la croix monsieur Louis Saint te arrivé tombé en babal bandi bien avant yo te atteint Jean-Léopold Dominique. Elle te remplacé Claudie Gassan le défunt. Jusqu'à présent, nous pas connaît dans qui circonstance Claudie Gassan est mouri en République Dominicaine, mesdames et messieurs. Juge Bernard Séville pral passé 14 l'année en tant que juge d'instruction dans le pays d'Haïti. Ça qui veut dire sorti dans l'année 2001 pour arriver dans l'année 2015. Mais avant, il était doyé par intérim sous Joseph Michel Martelly. Dossier ça qui c'est dossier qui gen awe ensemble avec Jean-Léopold Dominique, pas yon dossier qui était bien instruit du tout, son dossier qui te gen yon paquet vide là-dedans. Même moun qui était prêt juriste qui était arrivé blanchi te fait comprendre dossier Jean-Léopold Dominique. Yo te arrivé utiliser comme un dossier politique côté juge Bernard Séville te presque indexé Jean-Bertrand Aristide comme principal auteur intellectuel et financier Zach assassinat qui te fait sous journaliste et agronome plus militant Jean-Léopold Dominique. Et depuis 2015, juge Bernard Saint-Ville, doyen tribunal première instance, pas de monde qui est capable de retirer le poste ça que lié là. Personne pas qu'à retirer Bernard n'a pas ça que lire là. Gèdè recherche que n'a fait, mesdames et messieurs, gèdè enquête que n'a mené pour nous capables de peaufiner dossier ça pour vous, puisque vous supposez qu'on est qui ça qui a passé exactement. Sous comité affaires étrangères pays États-Unis a réuni demain jeudi sous crise pays d'Haïti à côté délégation République Dominicaine te formée à présent pour capable connait qui gens exactement yo pral aider et bien pays d'Haïti sorti dans crise ça. Encore une fois nous tout connait résultat c'est la crise haïtienne. C'est une crise qui suppose joindre des solutions haïtiennes, mais solutions haïtiennes, ça aussi dans le pays, l'autre bord de l'eau, il y a cherché. Assassinat de Diego Charles, mesdames et messieurs, juge Merlin Belabre, nous rappelons, nous, il a nommé sous dossier assassinat président Jovenel Moïse, qui pas de guetan. Comment c'est lui-même qui pral instruit dossier si là, encore une autre fois, et gen de nouvelles dispositions qui prend dans appareil judiciaire que tout de suite nous pral consulter pour vous. Voyons voir ce qu'on a un instant. On va essayer de voir ce qu'on a puisque plusieurs juges ont reçu leur commission. Voyons voir. OK, je crois que je l'ai. Maître Jean-Robert Constant, secrétaire technique, Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, en ses bureaux. Monsieur le secrétaire technique, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique vous présente ses compliments et vous informe que le citoyen Michel Audin et Lynx Jean sont nommés juges à la Cour d'appel du Cap haïtien. Le citoyen Jocelyn Lucien est nommé juge et doyen au tribunal de première instance des CAI. Les citoyens Jean-Michel Seyid et Robert Jourdain sont nommés juges de siège et juges d'instruction au tribunal de première instance des CAI. Le citoyen Gérard Nertilus est nommé juge et doyen au tribunal de première instance de Miragouane. Les citoyens Josier Mozo et Mirland Duclerc sont nommés juges de siège et juges d'instruction au tribunal de première instance de Miragouane. Les citoyens Pluvios Cilien et Emilio Assimé sont nommés juges de siège et juges d'instruction au tribunal de première instance de la Croix des Bouquets.
Les citoyens Ronald Charles et Marie-Laurence Fils-Aimé sont nommés juges de siège et d'instruction au tribunal de première instance du Cap haïtien. Les citoyens Dufresne Guillaume, Adonis Toussaint, Chavanne Étienne et Marie-Rosie Degan Nicolas sont nommés juges à la cour d'appel de Port-au-Prince. Les citoyens Merlin Belabre et Mirlande Borgela sont nommés juges de siège et juges d'instruction au tribunal de première instance de Port-au-Prince, 18 avenue Charles Sumner, Port-au-Prince, Haïti. Et mais ces nouveaux changements, ça y est, sans ne pas oublier que le citoyen Bernard Saint-Ville est nommé juge d'instruction auprès du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Mesdames et messieurs, en allée. Sans doute, pays d'Haïti gagne un don, puis est capable de faire le cadeau moto. Ma connais. Ma konn si se senti ou senti que nous remè moto en pile parce que gon paquet paysan ki kite terre yo pou yo cultiver oui yo vin nan ville yo vin acheter moto nous remè moto nous gon l'amour pour moto pays Canada à travers ambassadeur li ki se Sébastien Carrière annoncé nan 2 mois ki pral vini la yo soit mois août ensemble avec septembre. Yo pral achete 250 motos, 300 radios ak 10 drones pour faire la police nationale d'Haïti à cadeau. 250 motos, 300 radios, 10 drones. 10 drones. 10 drones seulement. Pour qui ça exactement nous va bay plus drones? Drone a permettre nous gen contrôle un paquet de bagay. Hein? Distance ou pren moto a drone nan ap gitan djou exactement mais qui ça ka passe ou bay 10 drone. Ouais bay 250 motos plus 17 motos la France lan fait 267 motos et mkwè yo te banon 2 3 grande voiture. Y a banou radio donc là y a permet nous combattre insécurité a oui red red parce que ti cadeau papa Noël yo pa suspend banou yo. Ap gen inauguration nan an titan ki pa tro long de un nouveau centre commandement tactique et ap genyen yon nouveau bureau Betine ki getan inauguré donc gen 13 millions ki getan engagé nan 100 millions que pays Canada pral genyen pour remettre pays d'Haïti. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout ça que nous avons gagné. Nous avons déjà pour vous, je vous dis merci. Dès que vous avez pris le temps pour être capable de suivre nous, pas oublier, faut que vous likez, faut que vous commentez, faut que vous partagez la vidéo pour plus de monde capable de vous. Pas oublier, ça qui est important en pile. Invitez un monde qui est dans l'entourage, abonnez ensemble avec la plateforme, si là, pour être capable toujours être connecté avec bonne information. Nous mettons bout dans la rubrique nous là pour aujourd'hui. Rendez-vous à Kassé à midi boule ensemble avec Foucault, Zami InfoPower pour reste information. Restez bénis et protégez-vous. Bye bye. À tout à l'heure.